là pour la chirurgie. Ouais, désolé, je suis pas magicien, je vais rien pouvoir faire pour vous. Là, on part de trop loin. Désolé. Au revoir. Pardon. Vous êtes encore là? Ah, d'accord, c'est pas pour vous la chirurgie, c'est pour vous. D'accord, ok. Donc c'est vous qui êtes là pour la chirurgie. Ben mettez-vous en face de moi, c'est votre rendez-vous, vous êtes... Ok. Donc, ok, ben vous, décalez-vous. Voilà, ça fera plaisir à mes yeux en même temps. Et vous, mettez-vous en face, c'est votre rendez-vous, voilà, mettez-vous en face. Donc c'est votre rendez-vous chirurgie et vous laissez votre ami se mettre devant vous. D'accord. Ok. Donc, bon, du coup, je m'excuse pour ce que j'ai dit. D'accord. Ok. Ne vous inquiétez pas, enfin... Puis vous inquiétez pas, il est jamais trop tard pour prendre rendez-vous. Ouais, parce que là c'est chaud quand même. Bon. Alors vous êtes là pour le rendez-vous chirurgie, d'accord. Pardon. Non, je suis pas désagréable, je suis réaliste. Ok. Super. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous me connaissez, je suis un des plus grands chirurgiens du pays. Je peux tout faire. Pratiquement tout faire, mis à part. Ouais. Ok. Ok. Non, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que j'ai pas fait de réflexion sur vous, que j'en ai fait sur votre ami, que y a rien à dire. Alors. Ok. Est-ce que je peux avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît? On va commencer à chercher dans quelques minutes. Petite
Donc ça marche avec un produit, je vais compter jusqu'à 10 après avoir mis ce produit, c'est parti. Donc pendant 2-3 minutes, vous allez être endormi. Voilà, tout simplement. C'est parti. Ok. Instrument. Ok, super. Instrument numéro 2. Allez. Les gars, vous êtes pas loin du licenciement, hein, je préfère vous le dire. Ok, super. Alors, c'est parti. Excusez-moi, c'est parce que. Non, c'est pas que je vous écoute pas, c'est juste ce que vous êtes en train de dire. Et absolument ennuyeux, c'est juste ça. Du coup, on va procéder à la chirurgie. Vous allez faire plaisir à toutes les personnes ici, arrêtez de parler. Et on va faire la chirurgie de la bouche. On est là pour ça, ok? Ok, moi je suis là pour vous faire la chirurgie de votre bouche. Je suis pas là pour vous écouter. C'est parti. Allez. D'ailleurs, une chirurgie de la voix, ça vous ferait du bien. Ouais, parce que les personnes qui vous entendent beaucoup, c'est un coup à devenir un peu fou. Ok, chirurgie de la bouche, c'est parti. Hop, let's go. Instrument. Ok, c'est parti. Donc on va pas vous faire l'anesthésie là, parce que y a pas besoin. Juste vous faire une mini piqûre pour que la douleur soit pas trop grosse. Hop, c'est parti. Mais je vous dis, je fais la piqûre de la bouche et vous bougez en même temps. Ok, on ne facilitez pas la tâche déjà que vous venez comme ça alors qu'il y a un boulot extraordinaire à faire sur vous. Vous ne facilitez pas la tâche, hein. Ouais, là
Là, je suis à deux doigts d'être désagréable, vraiment. Heureusement, je me contiens, je reste professionnel, mais quand même. Ok, super, la piqûre, je procède à la chirurgie de la bouche. Non, non, j'ai une réaction quand quelque chose m'agresse. Enfin, j'ai une réaction comme ça. Je vous marque juste après. Non, c'est quand vous avez ouvert la bouche. Je vous prescris juste. Hop. Hop, voilà. C'est une prescription pour prendre du dentifrice. Hop. Parce que j'ai l'impression que vous savez pas ce que c'est. Si. Excusez-moi. Je voulais juste vous rappeler. Est-ce que là, c'est l'odeur de votre. Ah si, c'est impressionnant. Ouais, pas autant impressionnant que vous écoutez, mais c'est impressionnant. Ok, chirurgie de la bouche, on continue. Donc essayez d'ouvrir la bouche, mais je peux pas. Je vais mettre du parfum dans votre bouche, je suis désolé. Je peux pas, je suis là pour travailler, je suis pas là pour ouais, comme on dit, je suis pas venu ici pour souffrir. Ok, d'accord, super. C'est bon. Pardon, oui, dites-moi. Est-ce qu'on vend des rouges à lèvres? Ok. Retournez-vous. Ok, qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Chirurgien, d'accord. Est-ce qu'il y a écrit vendeur de rouges à lèvres? Non. Ok, à partir du moment où vous savez lire et vous savez lire chirurgien, ne me demandez pas si je vends du rouge à lèvres. D'accord. Ah, ok. Et je vous remercie pour l'utilité de votre question et la perte de temps qui va avec. Merci beaucoup. On va faire maintenant tout de suite les joues. Est-ce qu'il y en a drôlement besoin? Ok, vous voulez quelle sorte de joue? D'accord, ok, je vais faire ce que vous voulez. C'est parti. Instrument. Ouais, je suis pas. Je commence à craquer donc. On avance. Excusez-moi, mes deux compagnons sont pas très efficaces. Parti. Ok, laissez-moi juste faire la chirurgie. La joue, j'ai besoin de la lumière. Je vais faire un côté puis l'autre. Chirurgie à partir de 18 ans, c'est tout âge. Après, on peut faire vraiment dans tous les âges, jusqu'à votre âge par exemple. Ah oui, vous êtes jeune apparemment. Oui, c'est tout âge. Pourquoi vous avez quelqu'un qui veut se faire une chirurgie? Ouais, de quoi a besoin de la personne? La personne a encore plus besoin de chirurgie que vous. Ok, non, je pensais pas que c'était possible, désolé. Bon, maintenant ça va un peu mieux, d'accord. Je vais finir juste vos joues. Et ensuite, vous entendrez blablater vos bêtises juste après. Ah, c'est parti. Ok,
Ok, super. Eh bien, j'ai terminé. Donc, le front, c'est bon. Les joues, c'est bon. La bouche, c'est bon. Donc, là, vous êtes vraiment mieux. Ouais, là, c'est vraiment mieux. Voilà, il y a quelques petits détails à faire. Mais là, c'est vraiment mieux que tout à l'heure. Voilà, vous êtes parti quand même de. Sur une échelle de 0 à 75, vous étiez à 1. Là, vous êtes à un bon 4. Un bon 4, et encore, c'est parce que j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai pas pu faire mieux. Voilà. Bah, je vous souhaite un bon retour, n'hésitez pas à m'envoyer vos proches. Bon, pas autant que l'approche que j'ai juste avant. Mais ouais, essayez de vous en. Attends, les gars, la chirurgie elle est finie, vous pouvez partir. Ouais, allez. Ok. N'hésitez pas à m'envoyer vos proches. Et voilà, je me ferai un plaisir de le faire. L'important c'est que ce soit fait respectueusement et poliment du client, quoi. Ok, allez, au revoir. Au revoir. Bon, tu dois. Ok.